Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Je vous présente tout de suite mon invité Anne-Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la co-fondatrice de Yumgo, Vous l'avez créé en 2019 avec Rodolphe Landemaine. Et avec quelle idée C'était quoi l'idée de départ eh L'idée de départ, c'était de fournir aux professionnels une solution facile pour remplacer les œufs en 100% végétal. D'accord, donc euh, ça c'est le point de départ. Quand on se dit on va faire ça, ça semble simple. Est-ce que ça a été compliqué après Ça a été compliqué parce oui. que l'œuf c'est un ingrédient qui est fonctionnel, donc qui a à la fois des, des propriétés foisonnantes, émulsifiantes, mmh. qui est présent dans plein plein de recettes. Mmh. Euh, on s'en rend pas toujours compte, mais l'œuf c'est la protéine animale la plus consommée au monde. Donc nous on s'est dit ben, si on arrive à fournir aux professionnels une solution simple pour remplacer les œufs, donc le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et l'œuf entier dans toutes les recettes, eh bien, on leur donne une clé pour une transition vers une alimentation plus durable. Pourquoi déjà cette démarche parce que euh, voilà, on, on sait il y a régulièrement des, des critiques ou des scandales sur les, les conditions de, euh, de, de, de production, euh, sur le, les questions de bien-être animal. Il y avait toutes ces questions qui rentraient en, en jeu pour vous Oui, tout à fait. Donc il y avait bien sûr la question du bien-être animal. Il y a la question aussi de la question environ, environnementale, oui. puisque avec une alternative végétale, eh bien, on diminue euh, beaucoup l'impact euh, en carbone qu'on a par rapport à une consommation de conventionnelle. Oui. Et également la question des allergènes. Puisque l'œuf, c'est vraiment un allergène qui est très présent, notamment chez les enfants. Et puis aujourd'hui, il y a la question du, de l'inflation, donc euh, les, les prix des œufs qui ont augmenté énormément, euh, les matières premières, la grippe aviaire Donc nous, on, répond, on offre une solution à tous ces problèmes mm. en, en, en donnant des ingrédients qui sont vraiment simples à utiliser et qui permettent d'avoir des résultats qui sont tout aussi gourmands, puisque pour nous, c'était très important depuis le début. Ouais, et <laughs> qui sont moins chers euh, Qui sont comparables, en fait, euh, bah, aujourd'hui, avec l'inflation du prix des œufs sur nos formules en poudre. Mm. On est compétitif par rapport au prix des œufs. Donc, oui, on peut vraiment euh, remplacer ça de manière avantageuse. Alors, vous nous l'avez dit, il y a eu l'idée de départ, puis ensuite, ça, ça ouais. demande du temps. Euh, combien d'années de recherche et développement euh, que, que, Ça a été quoi cette démarche Donc, on a commencé en 2019, comme, mm. euh, comme vous le disiez. On a travaillé vraiment sur des itérations avec des ingénieurs <laughs> agroalimentaires, des ouais. chefs professionnels, pour vraiment répliquer toutes les fonctionnalités des œufs. Donc, sur notre premier produit qui était le Yungo blanc, donc le substitut de blanc d'œuf, on a mis euh, un an de recherche et développement. Ensuite, on a on, on a travaillé sur le jaune sur l'entier. D'abord les formulations liquides, ensuite les formulations poudre et donc celles-ci on les a lancées début 2023, mais en étant déjà présents sur le marché depuis 2020. Avec euh, quand vous parlez d'itération donc des recettes oui. qu'on qu qu teste etc etc. L'objectif c'est qu'on puisse plus faire la différence entre, entre une recette oui. avec ou sans œufs. Exactement. Ça et pour nous c'est vraiment un test très important, c'est-à-dire qu'on fait tester nos recettes à des personnes qui ne savent pas que ce sont des recettes végétales, que ce sont des recettes sans œufs mmh. et la plupart du Temps, il n'y a, a vraiment aucune différence, c'est tout aussi bon. Et euh, les, les consommateurs sont vraiment séduits par les résultats mmh. qu'on peut obtenir. Alors, qui sont vos clients ce, ce, ce sont des, des, des groupes de l'agroalimentaire. C'est euh, décrivez-nous ça, oui. Donc, nous on travaille à la fois avec les artisans, donc les restaurateurs, oui. les boulangers-pâtissiers et également les industriels agroalimentaires. Donc, on a, on a des formats différents qui sont adaptés à ces différents, différentes cibles. Euh, mais l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le remplacement chez les professionnels de manière générale. Mmh. Euh, est-ce que vous développez ces produits Vous avez un petit peu répondu à la question, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail. Quand, quand on est, euh, voilà, c'est une jeune entreprise, quand on... Euh, vous, vous avez développé vos produits en lien direct avec euh, vos clients potentiels, est-ce que ça peut aller jusque-là C'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, des boulangers qui vous ont dit, mais nous, on a besoin de ça. C'est exactement ça, puisque Rodolphe, euh, Rodolphe Landman, qui est cofondateur, est boulanger pâtissier. Mmh. Donc forcément, l'idée de base, c'était euh, par rapport à ses propres difficultés à remplacer les œufs dans la boulangerie-pâtisserie, qu'on a commencé à travailler oui. sur le, le produit et puis euh, dès le début on a inclus des chefs professionnels dans nos itérations dans nos tests de manière à pouvoir vraiment répondre à leurs, euh, leurs usages et euh, le résultat qu'ils souhaitaient obtenir et puis aujourd'hui on continue d'accompagner les clients donc sur des besoins spécifiques euh, sur une recette spécifique à leur fournir du conseil euh, des recettes euh, en ligne des vidéos donc on apporte beaucoup d'accompagnement à tous nos clients oui. qui sont des, des professionnels vous êtes aussi porté évidemment par la demande des consommateurs demande de, de produits euh, est-ce que c'est est une part de la consommation générale qui progresse régulièrement, ça Oui, mais c'est pas seulement les consommateurs végans. En fait. mmh. C'est tous les consommateurs qui font aujourd'hui attention à, à leur alimentation, mmh. donc qui cherchent à diminuer euh, leur consommation de protéines animales, mmh. leur empreinte carbone, qui cherchent à enlever les allergènes. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, on touche tout le monde, et, euh, et c'est sûr que euh, toutes les, quasiment toutes les industries agroalimentaires essayent de développer des recettes qui, euh, qui euh, portent cette diminution de, de produits d'origine animale. Donc, on touche un large public. Ouais. C'est quoi vos perspectives là, 2, 3, 5 ans nos perspectives, forcément, c'est de pouvoir être de plus en plus présent chez un nombre grandissant de clients. Donc là, aujourd'hui, on est présent en France, mais également dans d'autres pays, donc notamment au Royaume-Uni. On a lancé au Japon, on est en Allemagne et puis mmh. prochainement, on lance notre gamme aux États-Unis. Donc on voit vraiment que la demande est présente et notre but, c'est de pouvoir accompagner un maximum de professionnels vers cette transition dans plus de végétales. Merci beaucoup Anne Vincent et bon vent à Yumgo. Voilà, c'est la beaucoup. fin de ce numéro de. Smart Impact, un grand merci à toutes les équipes de Bismart, merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut